Et salut tout le monde, c'est Sky, on se retrouve dans ce nouvel épisode de Nevermind, donc le let's play modé. Et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc là, vous voyez que j'ai des slabs sur moi. J'ai travaillé, j'ai fait pas mal de torches. Parce que je me suis rendu compte d'un truc. Donc déjà, on va commencer par la bonne nouvelle. Donc je suis allé dans la dimension, voilà. Il me reste des slabs. Parce que voilà, j'ai miné masse cobble, tout simplement pour... Alors déjà pour commencer, voilà la maison. Nous sommes protégés des mobs. Et même doublement. Nous sommes protégés doublement des mobs. J'ai dallé vraiment tout. Alors, je suis en... Facile, c'est normal. Enfin, juste pour montrer. En fait, je peux laisser en facile puisque la difficulté ne fait rien. Regardez, regardez. Là-bas, c'est une plateforme de test que j'avais faite pour voir si les mobs de Nevermind réagissaient aux demi-dalles. Et oui, les mobs ne spawnent pas sur les demi-dalles. Ça c'est bien. C'est bien que les mobs ne spawnent pas sur les demi-dalles. Du coup, là, je suis tranquille avec tout ce dallage. Plus aucun mob ne m'embêtera. Et je ferai ça pour toutes les dimensions. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ce dallage, en fait, ne servait à rien. Pourquoi ? Je viens de trouver la cause du spawn, en fait. Il ne spawn pas à la lumière. Si vous regardez le BL, il est à 0. Tout simplement, le light level est à 0 partout. Cette dimension, qui est claire, est considérée comme une dimension sombre. Ah bah oui, j'ai jeté une demi-dalle. Ce qui fait qu'en fait, regardez, si je pose une torche, bim, BL 13. Vous voyez? La dimension est considérée comme sombre. Donc ça veut dire que si je veux empêcher le spawn des mobs, il faut que je place des torches partout. Alors que là, je viens de dallé entièrement. Donc ça veut dire que il faut que je pose des torches partout. Et je sais même pas où les poser, vu que la seule indication que j'ai, en fait, c'est le BL. Vous voyez, BL 6, 7, les mobs spawnent à partir de 7. Vu que le BL est de 0 partout, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des mobs de partout. C'est ça en fait. En fait, je pense que je vais enlever toutes les dalles. Et que je vais enlever ça, enlever tout ça. Et remplacer tout ça par des torches. Jusqu'à ce que ce soit bon quoi. Au pire, on pourra toujours réutiliser ces dalles-là pour mes petits circuits de redstone. Parce que oui, je vais faire un petit peu de redstone quand même. Parce que je fais une baraque. Alors, récemment, je regardais le let's play modé. Évidemment, on va m'embêter pendant mon intro. Bon. Toujours pas de table d'enchant. Oh, c'est pas vrai. J'ai pas le truc. Aïe. J'ai rien drop encore. Je me suis juste occupé du dallage, évidemment, que j'ai fait en peaceful. Donc là, on va retourner ici. Je vais faire une table d'enchant. Je vais enchanter mon épée. Avec du sharpness, en espérant du sharpness. Donc voilà. Donc vous voyez, le soleil entre l'Overworld et The Haven est complètement différent. En fait, dans The Haven, il n'y a pas de soleil. C'est une dimension sombre. Toutes les dimensions de Nevermind sont comme ça, en fait. Donc il va falloir que je mette des torches absolument partout. Donc là, ce que je vais faire... Est-ce que j'ai de l'obsidienne sur moi ? Ouais. Bah tant pis pour le portail. Ce que je vais essayer... Ah oui, c'est pas con. Oui, il y a une technique. Il y a une technique qui consiste à reprendre de l'obsidienne de l'autre côté du portail, en fait. Ou alors... Bon, une chose est sûre, c'est que je vais foutre des torches un peu partout ici pour empêcher le spawn. Parce que, évidemment, dans l'Overworld, il y a des mobs qui spawnent de jour. Ça, ok, on peut pas y échapper. Par contre, les mobs de nuit, on peut les empêcher de spawn. En foutant des torches ou des demi-dalles. Mais je pense qu'on va essayer les torches, et si ça marche pas, on foutra des demi-dalles partout. On va mettre des torches. Ah. Il est où? Ok, ils sont là. Merci. Oh là là. Cassez-vous, merci. Je torche. C'est dangereux parce que là, ils sont juste à côté de moi quand même. Voilà, c'est torché autour de ma baraque. Ça devrait... J'ai peut-être limité le spawn.
Donc là, au final, alors pour ceux qui se demandent, oui, j'ai terminé l'expansion Buildcraft, mais je m'en sers pas. Alors je risque de pas m'en servir pour l'instant, avant un très très long moment. Je risque peut-être même de ne pas m'en servir du tout, parce qu'honnêtement, je préfère me centrer sur Nevermind, et donc voilà, tout simplement. Faudra que j'aille me rechercher de la bouffe. Ouais, enfin, on va faire une usine à carottes. Oui, il va me falloir une usine à carottes, parce que même si je peux poser des torches partout, la dimension restera toujours aussi sombre. Donc l'objectif sera de pouvoir voir dans toutes les dimensions sans problème avec le night vision. Tout simplement. Je me demande si je vais pas enlever les modes de thermal expansion et Buildcraft. Il y aura des trous un peu partout, mais c'est pas grave. Bon, là, vous voyez, les mobs ne spawnent pas dans la lumière. Donc ce sont bien des mobs de nuit. De toute façon, avec les mobs de nuit qui spawnent, le level cap est atteint. Donc, le level cap. Le spawn cap est atteint. Donc du coup, les mobs de jour ne peuvent plus spawner. Ouais, une bannière, super. Alors, est-ce que je farmerai les boss? Peut-être, ça dépend. S'ils ont un drop intéressant, genre Skeletron, qui a une bonne arme. Malgré le fait que son arme n'ait pas de truc. Ah, vous voyez? Eux, ils spawnent à la limite de la lumière, en fait. Putain, j'ai pas d'arme, donc ça va être compliqué. Ok, ça commence déjà. Merci le bug eye qui m'a quand même propulsé vers le mec. Ok, maintenant faut que je m'occupe de lui là-bas qui me saoule. Eux, ils ont spawné dans le noir et ils arrivent chez nous. Moi. Par contre, il me saoule grave. Ah, là! C'est bien. Heureusement qu'il a une pause, hein, parce que s'il continuait à me spammer comme ça, il m'aurait tué. Non, mais je vous jure. Mon armure aura pris cher. Oh putain. Ça va être saoulant! Donc là, j'ai un bel de combien? 9, 10, 9, 8. Ah, là, il y a du 7. Ils spawneront. Ah ouais, mais je vous jure que je vais ma. Oh, je vais mettre ma torche. Mais le problème, surtout, c'est qu'ils spawnent en groupe. Toujours en groupe. Ils spawnent toujours par 3, entre 3 et 5. Et ça, c'est le gros problème de ce mode. C'est que les mobs spawnent toujours en gros, gros groupe. Ok, super. Non, 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 pas le gobelin. Je sais qu'il y a le zombie. Casse-toi, casse-toi. Casse-toi le gobelin. Ah, au secours! Allez. Vite, avant qu'il spamme. Ok, ça, on s'en bat les steaks. Je rentre chez moi. Moi, je vais faire passer la nuit, hein, parce que là, ça va plus. Rien ne va plus! Et donc, comme vous pouvez le voir, les torches empêchent le spawn. Vous voyez, ils viennent de loin, les mobs. Ouh. Je l'entends. Je préfère rentrer chez moi, en fait. On dort. Mange. Faut que je me fasse une ferme à bouffe. Une ferme à patates. Mais ah ouais, non, problème avec les patates, c'est que les villageois les ramassent pas encore. On n'est pas en 1-8. Ah, donc ça va pas marcher en fait. Ah ouais. Pas de ferme à guardian non plus parce que ça n'existe pas. Oh. La seule usine que je pourrais faire qui est intéressante, c'est l'usine à Ender Pearl et à XP, donc les Enderman. C'est la seule chose que je peux faire. Bah l'usine à fer, c'est assez compliqué en fait. C'est assez compliqué. Bon, y a bien un sale caille-pierre à vous a montré dans le let's play mécanique, mais je doute qu'elle fonctionne en fait, parce que il a quand même dit que l'usine avait été fixée. Donc, bah en fait, j'ai peur que ça marche pas. Je parle de la toute première qu'il a faite dans son LP saison 2, donc pour ceux qui... S'il y en a qui peuvent me confirmer qu'en 1.7.10 elle fonctionne, alors peut-être que j'essaierai de la faire. Alors dans ce cas, je rajouterai le mode villager marker, pour que je puisse savoir... Exactement tout ce qui va se passer.
Bien, il m'a donné des graines, donc je vais pouvoir commencer la récolte de flèches. Tiens, il manque des blocs ici. Enderman? Ah, je crois qu'il y a un Enderman qui a posé le bloc. Bon, bah, on va retourner dans la dimension, je pense, non? Ou alors, ah non! Je voulais faire un portail du Nether pour piquer les blocs de l'autre côté. En fait, ce que je compte faire, c'est... Ah oui, attendez! J'ai une idée. Comment est-ce qu'on fait le module d'extraction? Parce que je sais que ça produit de la de l'obsidienne à l'infini. Oups, excusez-moi, caps lock. Ça. Oh là, je fais comment ça? Alors, il me faut du verre et de la dark wash brique. Comment je fais? Alors, de la dark wash, il me faut de la whitewash et de la whitewash solution. Ok, super, je fais comment pour la whitewash? Ah, mais la whitewash, je crois que je peux en miner quelque part. Je crois en avoir trouvé quelque part. Je sais plus où. Ah, je crois que j'ai une idée, j'ai une idée. Je sais dans quelle dimension il y en a. C'est dans... Non, c'est pas ça. D'ailleurs, tu en parlant de ça. Hop. C'est là-dedans. Cryponia. Voilà, c'est ça. J'avais pas fait d'autres portails par hasard. Ou j'avais pas miné du jade. Oh putain, je m'en rappelle plus. Ça fait longtemps que j'ai plus tourné. Faut croire que non. Bon, bah vous savez quoi, je vais ouvrir Cryponia à la place de The Oven. Y a pas trop le choix. Parce qu'il va me falloir de la whitewash, le extraction device pour avoir de la truc. Merde, non, j'allais rentrer là-dedans. Allez, on rouvrira la dimension plus tard. Oh putain, c'est pas vrai, vous vous saoulez, vous. Ok, c'est parti! Alors, je sais pas si je dois mettre le Doom Upgriffing, mais s'il le faut, je le ferai. Ça charge. Ça charge. Ok, très bien. Mais voilà, seul abandonné au milieu de nulle part. Donc, alors si je me souviens bien, BL, le portail, est-ce qu'il fait de la lumière le portail? Il fait pas de lumière le portail, je suis à BL 0 partout. Ok, on va mettre des torches là, là, là. J'en mets partout autour du portail parce que je sais très bien après ce qui s'est passé à The Haven, j'ai retenu la leçon. Donc là, il y a 8, 7, pas une bonne idée. Ok, on peut aller jusque là. Ici. Voilà. Là, le spawn est protégé. Enfin, du moins, je vais peut-être étendre un peu plus. Alors, le BL. Donc là, je suis à 13. Je vais par là. À peu près ici, je pose une torche. C'est normal qu'il spawn pas. Regardez, j'ai mis des torches. Du coup, il spawn là-bas au loin. Oula, 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 oula. Il y a des creepers de partout. J'aime pas ça. On va étendre un petit peu. Par là. Quoique. Plutôt le coin ici. Ouais, la BL de 7. Parce que là, les creepers arrivent en masse, là, bientôt. Il y en a un qui arrive, là, à ma rencontre. Attaque! Je pense que là, le spawn est assez protégé. Donc oui, il faut mettre des torches, même si on ne voit pas où est la lumière. Dans les dimensions sombres, ce sera beaucoup plus facile. Donc au final, c'est les dimensions claires les plus dures. C'est ça. Eh, ici, toi. Le mec, arrêtez de danser la Java! Putain, il n'y a pas marqué Just Dance ici. Hein. Bon, faut que je vire quelques arbres autour du spawn, histoire que je puisse construire quelque chose. Peut-être que je vais construire une espèce de temple ou un château. Enfin, putain, mais regardez-moi ça! Tous les mobs qui sont autour de moi. Oh putain, celui-là il buguait. Parce que s'il explose. Adieu mon terrain. Ok, génial, on a une faille ici, pas cool. J'aime pas ça. Oula! Oula, 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 il vient en masse! Oh, on va. D'abord toi.
Putain, heureusement je l'ai one shot. Hein. Heureusement je l'ai one shot. Je veux pas qu'il détruise le terrain. Ah d'accord. Eh, est-ce qu'on peut récupérer ça? Parce que vu que c'est des lianes. Au pire, on s'en fout de ces arbres-là, je les veux pas. Tiens, j'ai ma hache sur moi. Putain, j'ai pas ma hache, j'ai pas de hache, c'est dingue. Il faut que je m'en fasse une. Alors, je sais que le bois du mod ne permet pas de faire de crafting table, mais j'espère qu'il changera ça dans le futur. Et les plantes qu'il a mis par terre sont mal codées. Ça, c'est la chose que j'aime pas dans ce mod, c'est les plantes. Quand tu casses des plantes qui ont 3 de hauteur, il faut que tu casses les 3. Si tu casses la base, ça casse rien du tout. Et quand tu utilises de l'eau, bah ça n'enlève rien du tout. Ça enlève pas les plantes. En gros, si tu veux les plantes, c'est de la pierre. Oula, oula, j'aime pas ce bruit. Il est peut-être... Il doit être au-dessus de ma gueule. Surtout que j'ai pas le gravitateur, donc je suis dans la merde. Parce que dans cette dimension, le mieux c'est de voyager avec le gravitator au-dessus des arbres. Il n'y a aucun mob. Ils sont tous à terre. Après, évidemment, ils savent voler. Donc s'ils te voient, bah forcément, ils vont te choper dans les airs. Ok, super. Je gagne du skill. Très bien. Sauf qu'il me faut du extraction device. Et pour ça, il me faut des briques de whitewash. Et je sais que la plupart des structures de cette dimension en ont. Donc c'est plutôt intéressant. Ok, d'accord. Ennemi en vue! Où ça? Oh! Merde. Non, 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 non. Toujours aussi bugué. Hein. Y'a pas le choix. Allez, on va l'affronter celui-là. Oh là, il est où? Ça grogne. Dégage. Putain, je l'ai one shot. Mais je fais du combien? Ok, c'est bon. Là-bas, il y en a un. Bon, pour l'instant, je maîtrise la situation. Oh putain, j'aime pas ça parce que ça peut arriver de derrière le portail. Mais surtout, ce que j'ai peur, tu vois, c'est que les mobs, ils traversent le portail. Et que quand je retourne dans l'overworld, coucou, boum. Oh, une tête de creeper. Je savais pas qu'il pouvait donner ça. Bon, tu me diras, c'est des creepers. Donc c'est un peu logique. J'ai un trophée. Non! Ah, oh, j'ai eu une bannière. Là-bas. Oh, pas touché à mon portail. Dégage. Dégage. Va-t'en. Ah, je descends pour récupérer ça quand même. Par contre, l'argent, j'en ai un peu trop. Faudrait que je me fasse des jabas. Parce que je sais que les jabas peuvent contenir 64 stacks de tout et n'importe quoi. Donc des copper coins, ok. Écoute... là il y en a un. Bon, je farm alors que je voulais pas à la base hein. Je voulais juste protéger le portail hein. Hop. Le mieux ce serait de miner la dirt. C'est plus rapide. Hop. J'ai encore besoin de dirt. Bah j'ai des double slabs, enfin j'ai des slabs mais ça sert à rien. Vu que j'ai mis des torches partout, le BL il est assez haut. Donc du coup ça risque pas de spawner dans les environs. Par contre, il va falloir que je fasse un petit peu de terraformer. Alors ce qui est bien avec cette dimension, c'est que vous le voyez, c'est plat. C'est plutôt plat et c'est bien. Tout ce que j'ai à faire c'est virer les arbres qu'il y a aux alentours, les plantes. Et après je pourrais peut-être construire quelque chose. D'ailleurs, pourquoi le portail en gravier? J'aimerais savoir. Et pour votre et si jamais vous posez la question, non. Le portail du nether ne fonctionne pas à partir de ce genre de dimension. Non! Ça devient de la grass. Peut-être pas ici. Non, 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 non! Bon. L'avantage, c'est qu'il m'aura procuré pas mal de terre pour pouvoir sécuriser le portail. Dégage-toi.
Le désavantage, c'est qu'il va falloir que je répare. Parce que là, le terrain était propice à la construction, et là, ben, ça peut spawner maintenant. Bah, je corrigerai ça. Au pire, j'ai des slabs, je sais pas, je pourrais mettre des trucs ici. Bah, au pire, tout ce que j'ai à corriger, c'est le... C'est ça. Ouh là 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 là, j'aime pas voir te voir, toi. Oh, je sais pas comment... On peut vraiment faire des usines ici, hein. On peut vraiment. Pour le prochain épisode, j'aurai plus de bouffe. Je farmerai de la bouffe. Vous verrez pas, mais c'est pas grave. J'aurai un... Plus... J'aurai des stacks de bouffe, je vous le jure. J'aurai des stacks de bouffe. Et puis... Et puis voilà, quoi. Oh non, le trou est trop grand. Je dépense toute ma dirt là-dedans. Là-bas, j'aime pas trop le voir ici, donc on va aller l'affronter. Il est où? Il est là. Vaut mieux sauter pour faire des coups critiques parce que sinon je les one-shot pas. Dégage, merci. Bon, ce bois pourrait bien rendre. Allez, dégage-toi. Il y a un truc qui court là, je l'ai entendu. Allez, des creepers. J'aime pas ce grognement. Oula, il y a un truc qui court. Je sais pas ce qui court, mais il y a un truc qui court autour de moi et j'aime pas trop ça. Là, il y a un truc. Je sais pas ce que c'est. Encore un creeper. Là, j'ai ma pioche, non? Ouais, j'ai ma pioche. Peut-être prendre quelques blocs. C'est quoi? Oh, c'est plutôt joli. On dirait de la cobble en verre. C'est pas mal. Moi, je dis ça rend bien. Oh là là, on a la Havenstone avec et tout. Oh, moi, je dis on pourrait faire un espèce de dégradé de couleur ou des trucs comme ça. Maman, mais regardez-moi tout ce qu'il y a là. Bon, c'est des creepers, c'est tout. C'est des simples, mais attendez de voir les autres. J'ai une flèche. Oh, il m'a vu. Mais de toute façon, il peut pas monter, donc vas-y, fais ce que tu veux. Je sais juste que ça grogne là au-dessus, j'aime pas trop ce bruit. Il est où? Oh, il est là! Il est là! Alors lui, je peux le one-shot sans sauter, donc il n'y a pas de souci. Toi, je t'ai vu. Non, non, non! Stop. Il est où l'autre? Je l'ai vu. Il était là. Il est là. J'aime pas trop les voir se rapprocher de moi, donc je préfère aller à leur rencontre pour les tuer avant que eux ne viennent à ma rencontre pour me tuer. Donc du coup, torche. Le BL. Non, c'est bon, il est à 8-9 partout, donc ça passe. Du coup, bah, tu sais quoi, on va reboucher avec la pierre. Très jolie cette pierre. Oh! Mob! Moi, je prends de la pierre parce que c'est super beau. Je vais sécuriser mon portail avec ça. Donc, du coup, je vais clôturer un des deux côtés pour ne pas pouvoir spawner dans les deux côtés. Et voilà. Après, je sais pas, on va peut-être essayer de faire une petite baraque comme sur The Haven. Bah, après, je sais pas. Si je réouvre la dimension, je sais pas du tout si je vais respawner au même endroit ou pas. Parce que, à la base, je suis venu ici pour la whitewash. Parce que la poudre de whitewash, là, machin, je sais pas où la récupérer. Oh. Alors, faut savoir que l'herbe dans ce mode, elle est dure. Oh, juste un bloc. Non, 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 non! Toi, je t'ai vu. Et toi aussi. Derrière moi. Il y en a un autre derrière moi. Il est. Putain, celui-là qui était derrière mon portail, je l'ai pas vu. Oh putain, il m'a foutu les jetons, je l'ai pas vu celui-là. Il est où? Faut regarder au-dessus parce que des fois aussi ils sont au-dessus.
Bon, c'est assez rare, mais des fois quand même. Il est où? Il est là, il est là. J'aime bien parce que le mec, il est bloqué quand même. Il est bloqué de là, entre la liane et le tronc. Il y en a d'autres? D'ailleurs, tiens, j'aimerais voir un truc. Est-ce que on peut monter? Il n'y a pas de bruit dans l'environnement, c'est dommage. Je vais essayer de faire un truc safe pour, pour éviter de me faire spawner sur la gueule. Parce que les torches, ça suffit pas, ce que je vois. Je vais juste virer les lianes parce que ça me saoule. Les arbres, on verra plus tard. Là, pour l'instant, faut d'abord que je fasse en sorte que tout soit safe. Mais vraiment tout. Pour l'instant, je pense qu'à ça. Oh! Une vache! Cripco. Bonjour la vache. La vache creeper. Bonjour le creeper ailé. Ça va? Merci. Tiens, vu que t'es là, toi. Oh! Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Non, non! Ah, c'est pas vrai celui-là, j'arrivais pas à l'avoir. Meurs. Merci. Tu m'as donné de la viande dégueulasse. Hein? Attends. Ah, d'accord. Oh, putain! Bon, ça va. Là, je suis assez éloigné de ma base. Tiens, je vais récolter ça pour faire ma base. Tant pis, ça sera un truc en bouse, mais on fera une autre construction plus tard. Parce que là, pour l'instant, c'est assez dangereux. C'est très, très hostile, cet endroit. J'ai tout récolté? Non. Bon. C'est pas grave. Là, il a explosé assez loin. Je pourrais peut-être boucher si jamais je veux construire, mais comme c'est assez loin, je doute. Ok, d'accord. Il y a un mob. Celui-là, il explose de rien, ne vous inquiétez pas. C'est les creepers ailés qui explosent tout. Oh putain, il y en a juste un là-bas. J'ai trop peur qu'il vienne chez moi, donc je préfère aller le buter. Oh putain, ils sont trois. Ok, c'est bon, il n'y en a plus? Ok. Bon, faudrait que j'étende les... Ok, super. Faut que je mette des torches plus loin. Parce que là, ça spawn quand même assez proche de moi et ils ont le focus sur moi. Et ils me donnent des plumes. Non, j'avais cru. Tiens, coucou toi. Bon, là pour l'instant j'ai de la chance. J'ai que des mobs assez faibles parce que je suis en surface. Mais en dessous... Ah, c'est vraiment du gravier ça. Bon, je vais mettre des torches plus loin. Genre ici. Je vais torcher vraiment énormément. Je mets des torches, je mets le plus de torches possible. On verra après pour le BL. Pour la base light. Ouais, c'est ça, BL. Non! Déjà, on va commencer par toi. Si on est assez loin, on prend pas les dégâts, en fait. Ok, nice. Je mets des torches par ici. Voilà, donc ici, c'est protégé. On va quand même vérifier pour le BL. Je regarde. Dès qu'il y a un BL de 7 ou inférieur, je mets une torche. Ah, là. Ici. Nickel, y a pas de problème. Oh, mob, il y a un mob ici. Pour l'instant, il a pas l'air d'avoir le focus sur moi, mais je préfère quand même aller le tuer parce que c'est dangereux. Je veux pas qu'il explose tout le terrain non plus. Là-bas, y en a un. Il est où l'autre? Putain, je me bats en F3 quand même, c'est chaud. Il est où? Ça grogne plus. Donc c'est qu'il est plus là. Ok, donc on va retourner au BL. Ah non, il y en a un juste là-bas, je peux pas le laisser vivre. Tant que ça spawn pas loin de chez moi, je préfère les tuer parce que sinon... dangereux, trop dangereux. C'est comme se balader à côté de... À côté de bombes chimiques, quoi. Vous savez, les bombes chimiques qui explosent tout, là... Ouais, ça fait des grosses explosions et... Enfin, c'est deux liquides qui se mélangent, en gros. C'est un espèce de récipient avec deux liquides qui bougent. Enfin, qui sont presque mélangés. Et si tu la bouges un peu trop, ça pète. Parce que les deux liquides se mélangent et boum. Donc voilà, c'est comme si je me promenais à côté de ça, quoi. C'est assez tendu.
Un BL de 4. Ok. Qu'est-ce que ça drop? Wow, oh, calme-toi, toi. Et l'autre derrière, je t'ai vu. D'ailleurs, là où t'es mort, je vais mettre une torche pour être sûr. Je t'ai vu. Alors, je sais qu'il y a un creeper. Il est où? Il est là. Il arrive. Voilà, il faut être vraiment à distance pour vraiment ne pas prendre son explosion. Ça veut dire qu'il faut pas lui foncer dessus, en fait. On continue sur le BL. Donc là, je sais que c'est la fin de l'épisode, mais d'abord, j'aimerais protéger ce spawn. Oh putain, ces lianes me saoulent. Pour le prochain épisode, je vous jure que tout ça, je rase. Je rase tout. Je ferai un parking s'il le faut. Bon. Je pense que j'ai assez torché. Hein. J'ai de quoi faire une table de craft, c'est super. Je me dépêche. Parce que je sais qu'il y en a qui me foncent dessus. Merde. Il est où? Il est où? Je l'entends. Il est derrière le portail, c'est ça? Non. Oui. Ok, il est pas loin de moi. J'aime pas entendre des bruits comme ça et ne pas savoir où est le mob. Sinon, Journey Map peut me le dire, n'inquiète pas. Il est là. Enfin, je pense, le plus proche, ça a l'air d'être lui. Donc ça veut dire qu'il est là-bas. Ah bah non, c'est pas le bon, en fait. Ok! Ah, il est peut-être en dessous. Il est là. Oh, il est... Ah! Derrière moi, saloperie! J'entends un bruit encore. Oh, putain. Dégage! Non! Putain, lui, il a essayé de me prendre par derrière, celui-là. Il a essayé. Dommage, je t'ai vu à temps. Y a pas du bel ici qui manque? Si! Je me disais aussi pourquoi. BL. Donc là, on est aux alentours de 9, 11, 10. On a un peu de 12 aussi. Là, il y a du 8 aussi. Donc c'est à partir de 7 que les mobs spawnent. Où est-il? Là-bas, je crois. Attendez, ça prend la... Ça prend pas de durabilité, c'est cool. Si je mine ça... Là, ça en prend deux. Oh yeah. Pour miner un truc avec une épée, ça prend deux durabilités. Oh purée. C'est chaud. Et ça? Mais ça enlève la durabilité deux par deux. Mais c'est énorme. Il est où? Il est là. Coucou. Ça, il m'a eu. Il est où l'autre? Là. Non, il était trop près. Ok, il y en a un autre. Il est où? Là-bas, il y en a un. On va pas y aller. Il est où mon portail déjà? Pas loin. Juste là. Avec tous ces arbres, je n'y vois plus rien. Oh. Pas un mob ici? Non. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là. Pour le prochain épisode, je vais m'assurer que tout ça dégage. Je veux plus rien, je veux que à 50 blocs autour de mon portail, il n'y ait plus aucun arbre, plus aucune plante, rien. Je veux que ce soit plat, complètement plat. Et alors, j'irai peut-être farmer quelques ressources et on va pouvoir peut-être commencer notre première grosse construction. Parce que dès que j'aurai un nouveau blueprint, je ferai d'autres salles des portails comme ça, voilà. Et je pense que... Et par contre, il y a un truc qui pourrait être pas mal. Je vais essayer un truc. Est-ce que je peux mettre un portail dans le portail? C'est-à-dire ici, j'arrive dans la dimension. Est-ce que je peux mettre un blueprint ici pour aller dans The Oven? Oh, j'y ai pas pensé à The Oven. Oh, j'aurais pu mettre un blueprint là-dedans. Ah, c'est pas grave. Je vais essayer de faire un truc. Peut-être que ça peut être marrant. Ou alors de tout mettre dans l'overworld, je sais pas. Ouais, mais dans ce cas, faudra que je fasse des salles de portail. On verra. Je pense que je ferai un espèce de château ou quelque chose comme ça. Enfin, un grand complexe.
Ne vous inquiétez pas, ça sera simple, il n'y a pas de problème. Voilà, le problème c'est juste les mobs, etc. Mais ne vous inquiétez pas, pour... comme tous les épisodes de minage, je mine en sécurité, donc... Voilà! Et sur ce, on se donne rendez-vous dans le prochain épisode. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner si vous en voulez toujours plus. Et moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Allez, bye tout le monde!